J'ai 16 ans, j'habite la rade d'Anike. Je suis arrivée enceinte, je suis maman dans la caille, l'élite responsable. Je suis à trancher à 9h du soir dans la santé d'Anike. Je fais samedi matin, je me couche. Dans samedi, vers 8h, je vais mon caille. Puis, Miss Mariam, dans dimanche, vers 10h, je fais césarienne. C'est maman samedi, il fait petite là à 14 ans. Juste me pas gagne main le papa était là ban moi et moi t'ai levé et moi parrain et maman était moi t'ai papa. Victoria, c'est un petit bébé qui t'est fait ici là dans maternité l'hôpital général. Après opération, docteur a été diagnostiqué pour yon malformation congénitale qui est gastro-chésie. L'opération a passé très bien. Nous sommes contents parce que nous sommes arrivés sortis dans la salle d'opération parce qu'il agit de vie. Donc nous sommes arrivés sortis dans la salle d'opération, donc nous sommes contents en pile. L'hôpital Immaculée Conception des Cailles a reçu tout un lot d'équipements pédiatriques tels que des tables chauffantes, des incubateurs, des concentrateurs d'oxygène et aussi des intrants médicaux qui ont permis d'assurer la prise en charge de tout enfant qui se présente au niveau non seulement du service de maternité, mais aussi au niveau de l'unité de néonatologie. D'ailleurs, Victoria, elle porte bien son nom parce que c'est une victoire pour nous HIC, c'est une victoire aussi pour elle. Donc, parce que dans l'état, donc, on pense que tout personnel soignant, nous avons même pensé qu'il était capable de réussir. Et c'est ça qui fait, nous toujours t'arrêter que tout le monde s'est en vie, nous toujours chercher des informations de lui, nous toujours besoin qu'on ait qui s'est passé avec elle parce que c'est notre bébé à nous. Baradou qui s'amta remel vin rive demain là il commence à grandir vin l'école si capable kembe tête yo mel m'ta remel jwenn un travail capable lever timinement.